Écoutez, messieurs, c'est la seule opportunité que nous avons. De générer des attentes pour le combat pour le titre mondial. Entre Eduardo Díaz Rojas et Antonio Cervantes, mieux connu sous le nom de Kid Pambele. Ces deux messieurs peuvent commencer sur une ligne de départ qui se fera au gymnase. Quoi de mieux que la maison de ces deux boxeurs? Les boxeurs seront escortés par la presse et par les fans. Ils sortiront en même temps au moment du signal. Il s'agit d'une compétition sans précédent que nous amenons chez vous directement depuis ici, le gymnase La Vega, la maison de ces deux boxeurs. Je vous rappelle que la puissance et l'énergie de ce programme sont sponsorisées par les batteries Ryobin. Alors nous pouvons apercevoir ici Díaz Rojas et Antonio Cervantes, le Kid Pambele. Restez avec nous pour suivre Tiens, la course chéri, pour le titre dis-moi, mondial. Dis-moi, je suis Amado devais pas être là-bas. Et je vais vous expliquer en détail c'est le déroulement de boxeurs. Cette course organisée par Ezequiel Mercado. C'est une excellente idée pour évaluer la force de Díaz Rojas et Antonio Cervantes, le Kid Pambele. C'est au tour d'Antonio Cervantes. Il frappe les sacs de Pechimbo. Indirect gauche, indirect droit. Il esquive les sacs. Gauche, droite, gauche, droite. Et il a terminé. Bien joué, Antonio Cervantes, le Kid Pambele, le célèbre Colombien. Mon cher public, il s'agit là d'une compétition riche en émotions. Autour de Díaz Rojas, il esquive un sac, droite, gauche, allez, continue comme ça, un crochet du droit, il esquive un autre sac, gauche, droite, gauche, droite, très bien Díaz Rojas, très bien Díaz Rojas, très bien Díaz Rojas. Dans un instant, ce sera au tour d'Antonio Cervantes, le Kid Pambele. L'événement compte sur le soutien des meilleurs entraîneurs sportifs. Ils sont tous ici présents afin de soutenir le travail des boxeurs. Ce qu'on doit faire, c'est soutenir sans cesse Mercado pour que le combat se passe comme il doit se passer. Écoute, Mercado, je vais te dire un truc. C'est quoi le rapport entre cet entraînement militaire et ce qui concerne le sport, hein? Les boxeurs ont beau être préparés, mais ça n'a rien à voir. C'est une épreuve de résistance et non pas une épreuve de boxe, ça. Mais nous tous ici présents savons qu'Antonio Cervantes, le Kid Pambele, a battu Díaz Rojas. Il l'a mis au sol et on se souvient comment. Hey, alors attends, pourquoi on fait? Je comprends pas. Attends. Tu devrais laisser Mercado terminer avant de poser tes questions. Alvaro, j'ai le droit d'avoir un avis ou pas? Laisse-le terminer, sérieux, c'est tu laisses bon, même pas s'il parler. Vous plaît, arrêtez les gars, une petite seconde, non, tout va bien, c'est bien qu'il demande. C'est bien, mais bon, écoutez, ici on sait tous, messieurs, que la résistance fait partie de l'entraînement d'un boxeur. Et celui qui n'est pas au courant de ça devrait demander à Nicolas Roche. Ça c'est vrai, on l'appelle pour voir non, ce qu'il non, dit. Non, et je sais très bien aussi que beaucoup pensent que ce type, cet Eduardo Díaz Rojas, ne peut pas avoir la moindre chance contre Antonio. Peut-être, mais c'est pas le but, messieurs. On est en train de lui donner sa revanche, c'est simple. Et c'est la justement revanche, ce qu'il va faire vendre, Don Luis, la et revanche, pour en finir ce avec veut. Ce qu'on disait avec le sujet, là, parce qu'on s'éloigne. Alors ces deux gamins, pas vrai? Ils vont concourir en passant par des obstacles. Le public va être dans les gradins et les acclamer, regarder le spectacle ou je ne sais quoi. Et le plus rapide gagne et c'est fini, voilà, c'est simple, point. Si vous ne voulez pas vous faire surprendre par la grippe, prenez Climacol pour toute la saison. Ouais, c'est ça. Allez, n'oubliez pas, si vous allez dans la ville de Bogota, allez manger au restaurant Vito. Son propriétaire vous accueillera pour vous servir les meilleurs plats d'Italie. Mes chers auditeurs, la course entre les deux est très serrée et se déroule. Ils sont côte à côte. Et maintenant, laissez-moi vous dire comment ça se passe au niveau des scores. Vous allez pas y croire. 10,2 Antonio Cervantes, le Kid Pambele. 10,2 Eduardo Díaz Rojas. Alors, le spectacle et la course se terminent. Le gagnant va parler à la presse et c'est lui qui va être celui qui va se battre pour le titre mondial. C'est et tout. Voilà, c'est simple, exactement. C'est pas compliqué. Et j'aimerais profiter de cette opportunité maintenant que vous avez compris le message pour, eh bien, pour remercier personnellement Maximiliano Insua qui m'a donné l'idée. Et je vais vous annoncer le titre de la compétition. La grande course à obstacles pour le titre mondial. Bah. Ça, c'est ce que j'appelle un titre, Mercado. Écoute Mercado, laisse-moi te dire un truc. La seule chose que ça met en valeur, c'est ta compétition. Bon, ça me paraît très bien. C'est une idée nettement médiatisée qui va permettre de promouvoir ton gymnase et tes affaires. Mais avec tout le respect que je vous dois, messieurs, je ne vais rien publier sur cette course. Écoute, Cristobal, avec tout le respect que moi je te dois, c'est pas possible. Mon pote, je suis pas d'accord avec toi. Alvaro, je m'en fous de ton avis. Cristobal, pardon, mais là je soutiens. Allons, allons, écoutez. Je suis d'accord avec cette idée depuis le tout début. Cette histoire, pour les auditeurs, ça peut être très intéressant. Peu orthodoxe, oui, certes, mais intéressant.
Bon allez, mes amis, la grande course à obstacles pour le titre mondial, mais ça, c'est vendeur, hein. C'est ce que je dis. Et il faut pas perdre de vue que ce qu'on veut, c'est vendre des journaux et des espaces publicitaires aussi. Bien. Ce que l'on publie sur ces pages détermine si l'activité continue ou pas. Merde, je l'aime bien, lui. Tu veux un autre whisky? Bien sûr. C'est la bonne conduite, ça. Prenez non, exemple c'est juste sur lui. Que... Cristobal, c'est quoi l'utilise ton problème, ta tête, hein? Cristobal. Pense aux affaires. On est en train de donner une attente pour que le combat soit vendeur. La compétition est de plus en plus riche en émotions. Le score est en train d'être affiché. 12,1. Antonio Cervantes le Kid Pambele, 12,1 Eduardo Diaz Rojas. Quelle compétition, mesdames et messieurs. Cette course est incroyable, le public est de plus en plus excité. Qu'en pense notre cher public? Dites-moi. Allons, plus fort. Allez, faites du bruit. Ah, mon chéri, ça y est, là, ça devient intéressant, non? A de l'avance sur le Kid Pambele. Et c'est bientôt la fin. Et t'es pour qui, toi? Que quelques centimètres avant d'arriver. Et le vainqueur est... Eduardo Diaz Rojas. Ouais, ça, c'est bien joué. T'es le meilleur, mec. Mais prends une photo. Eduardo Diaz Rojas a gagné. C'était super. Non, c'est pas vrai. Ton ami a perdu, n'est-ce pas? Je suis vraiment navrée. Mais bon, j'ai très faim, alors on va manger. Je vais servir. Allez. Juste une allez, seconde. On va tous se rassembler, on va faire une photo avec le numéro 1. Hey, allez, tous ensemble. Photo, numéro 1. Numéro allez, 1, on regarde même en face. Photo. C'est on juste derrière. On y va. 1, 2, 3. Ça va, Carlina? Est-ce que tu veux que je t'aide? C'est pas la peine, merci quand même. Eh, mais pourquoi tu me réponds comme ça? Je propose parce que je suis inquiet pour toi. Oui, et ça me crée des problèmes. Mais de quoi est-ce que tu parles? Quel problème? C'est tout le contraire, je suis juste préoccupé pour le bébé et aussi par ta grossesse. Je veux seulement que tu comprennes que... Eh bien, que je peux être une bonne personne avec toi. Tu sais quoi? Je vais aller chercher Carlotta pour qu'elle vienne t'aider avec ça. Non, 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 faites pas ça, je vais me débrouiller. Je ne veux pas que vous posiez des problèmes à Carlotta. Bon, très bien. On va faire les choses exactement comme tu le veux. Et on va rien dire à Carlotta. Et puis, tu sais bien que... que tes désirs sont des ordres. À plus tard. Que c'est beau tout ça, Carlina! Maintenant, t'essaies de draguer le fils de la patronne, hein? Non, dis pas n'importe quoi, Carlotta. Très bien, alors dans ce cas, c'est quoi que tu voulais pas qu'il me dise? Écoute, Carlina, à ta place, je jouerai pas avec le feu, hein? Mais tu es enceinte, tu vas avoir un enfant avec Antonio, pourquoi tu te m'as flirté avec Don Leandro? Carlina, mais oui, fais semblant d'être malade pour pas avoir à m'écouter, hein? Carlina. Aurora, je viens te demander de laisser en paix mon Farid. De quoi? Tu m'as très bien entendu. Arrête de jouer la victime parce que t'es en train de lui nuire. Célina, pour la dernière fois, je te dis que c'est lui qui vient me harceler. Ce type est une vermine, tu comprends? C'est toi la vermine, je vois clair dans ton jeu. Ah écoute, Célina, j'en ai marre, jusqu'ici. Je vais aller le voir et lui dire ses quatre vérités. La compétition de Mercado a été un vrai succès. Heureusement qu'on a pu couvrir cet événement, hein, pas vrai? Heureusement, bien sûr. Et puis, tu sais quoi? Si on n'avait pas été là-bas pour voir ça, ça n'aurait pas été la même chose. Très certainement. Aurora? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème avec moi? Pourquoi est-ce que t'es partie dire à Célina que c'est moi qui te provoque? Parce que c'est vrai! Tu provoques tous les hommes que tu vois pour obtenir ce que tu veux. T'es qu'un minable! T'es tellement rien que j'ai de la pitié pour toi! Sors de là! Tu sors tout de suite de mon bureau! Dégage d'ici! Ah! Va aller chez les bottes de ton chef, sale profiteuse, ça va pas! Respecte-la, espèce d'idiot! Allez, arrête! Calme-toi, Maximiliano! Arrête, s'il te plaît! Prends tes affaires! Et tu pars de la station sur le champ! Lâche-le! Lâche-le! Aurora, ça va? Est-ce que tu vas bien? Il t'a fait mal? J'ai un peu mal au poignet. Ça va? Tu veux aller à l'infirmerie? Voilà. Et où est-ce que tu vas, toi? Si
C'est injuste, Mercado, le résultat est injuste. T'aurais pas dû faire ça avec ces deux-là, ok? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens pleurnicher là, bordel? De quoi c'est injuste? Si Cervantes avait gagné, ça aurait été juste pour toi. Ce qui s'est passé est passé, mon pote. Et voilà, Dias Rojas va opter pour le titre mondial Walter Junior, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Merde, alors arrête de pleurnicher, on dirait une fillette. Écoute bien, Carlina, pour moi, cette histoire de combat entre Dias Rojas et Fraser, c'était prévu comme ça depuis le début. C'est pour ça que Mercado m'a pas fait monter sur le ring. C'était arrangé depuis un moment. Ah, Antonio... Je sais ce que tu vas dire. Non, tu dois être patient, te bats pas avec Mercado et tout ça. Et oui, Carlina, mais bon, comment c'est possible qu'ils prévoient un combat comme ça? Ils me font pas monter sur le ring parce qu'ils savent que sinon je vais prendre le titre à Fraser. C'est sûr que j'y arriverai. Ils le savent, bordel. Écoute, Antonio, si tu n'as pas la couronne, c'est parce que je m'occupe de toi tout le temps. Quoi, Carlina, tout le temps? Juste parce que tu m'apportes à manger d'ici à là, il y a même pas un mètre, regarde. Carlina, t'as déjà vu un homme qui fait la cuisine, toi? Non, faire à manger, c'est pour vous, eh bien, les femmes. Eh bien oui, j'en ai déjà vu, Antonio. Je connais des types bien plus attentionnés que toi. Tiens, ton repas est là. T'es sérieuse? Tiens, envoie ça à Carmen et dès qu'elle te le redonne, tu me préviens. Aïe! Ma belle, tu as parlé avec Cristobal? Non. Pourquoi? Bon, écoute-moi bien. S'il t'appelle ou si tu parles avec lui, je veux que tu me fasses une faveur. Ah, Alvaro, arrête de me toucher. Écoute, Delia, c'est sérieux, ok? Avec toi, c'est toujours sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire ce qu'il y a. Il y a que cet abruti de Cristobal a failli ruiner l'affaire qu'on a toi et moi avec Mercado. Ça te semble sérieux de gagner de l'argent, non? Ah oui, et qu'est-ce que je peux faire? Quand il t'appelle, quand il parle avec toi, dis-lui de me soutenir dans cette affaire. Et que je vais lui donner une part de ce qu'on gagne, ok? Non. Alvaro, ne me mets pas là-dedans, s'il te plaît. Je ne veux plus être mêlée à cette histoire et je ne veux plus faire de mal à Cristobal. Je veux plus faire de mal à Cristobal, m'en mêle plus. Écoute-moi, je me fous complètement si tu es amoureuse du Colombien. Mais soit tu m'es utile, soit je te vire. T'as compris? Comment est-ce que tu me parles? Delia, tu vas m'écouter. Tu sais c'est quoi le problème? Que le petit Colombien, comme tu l'appelles, c'est un homme bon. Et ça te rend jaloux de pas être dans cette salle. Car ce type est un superbe journaliste et tu es un imbécile. Et un imbécile ne me vire pas. Je démissionne et je t'ai résolu ton problème. Hé, Tabaco, je suis prêt pour qu'on commence l'entraînement maintenant. Hé, mais regarde par là, quoi. Regarde-moi. Ce que je suis, c'est la promesse de ramener cette victoire à 200%. Alors, concentre-toi un peu, hein? Hein? Écoute-moi, ce soir, on va divulguer le nom de ton challenger, mon pote. Aucun problème. T'inquiète pas, je vais tenir parole. Et je vais te dire, j'ai une conférence de presse avec tous les journalistes. Alors va dire à Jeff de faire la même chose pour qu'on soit égaux, tu comprends? Bim bam boum, hein? Hé, je me bats contre n'importe qui, mais l'événement, c'est ici, au Panama. C'est où tu veux, mon ami, t'en fais pas, où tu veux. Et dis-moi, c'est qui mon challenger? Ton challenger, tu veux son nom? Eduardo Dias Rojas. Hein? Et voilà. Tu le sais. Allez, allez, Antonio. Tu les sors trop, tes coudes. Plus précis, tes coudes. Donne des coups plus précis. Tu vas n'importe où, là. J'y crois pas. Attends, arrête une minute. Ce mec est vraiment grave. Qu'est-ce que je te dis? Encore 40 minutes d'entraînement. Quoi? Comment ça, Tabaco? 40 minutes, sérieux? L'entraînement était bien avant. Pourquoi tu l'as changé? Quoi, c'est trop pour toi, 40 minutes, Antonio? Ouais. On va en faire 50 dans ce cas. 50? D'accord, je m'entraîne pas pour le titre mondial, mais par contre, je dois m'entraîner pendant 50 minutes, c'est ça, hein? Hé, hey, Tabaco, quand est-ce que vous allez arrêter de discuter, vous deux, hein? Allez, on va s'entraîner un peu! Ok, donne-moi encore 50 minutes! Mais pourquoi encore 50 minutes? Tu m'as même pas encore entraîné, là! À cause d'Aurora, ils ont fini par virer Farid hier. Oui, mais c'est lui qui l'a voulu. Tu as vu comment il traitait Aurora? C'est normal! Mais moi, ça ne me paraît pas juste qu'il ait jeté comme une vieille chaussette après tant d'années de service. Eh bien, c'était sa décision, on ne peut rien y faire. T'en es sûr? Ça, on verra bien. Parce que si Farid part, je pars aussi. Tu sais quoi? Vous allez perdre une employée très efficace. Célina, je te déconseille de faire ça. Il faut que tu saches que personne n'est indispensable ici. Oui, je lui ai rendu ses dossiers, je suis partie. Je pense pas revenir, même s'il me supplie, tu peux me croire. Mon amour, écoute,
Si tu veux, je peux en parler avec Don Luis. Don Luis, c'est un ami. Je lui dis de te rendre ton travail ou de venir travailler avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais tu sais que j'ai pas besoin d'aide. Et puis, j'ai fait ça uniquement pour être avec toi. Et comme tu vas être avec moi, eh bien, je préfère trouver un travail ailleurs. Ah oui? Oui. Bien là. Et comment tu vas faire pour vivre, mon amour? Parce que ça me préoccupe. Non, comment mais tu t'as vas pas faire à t'en faire. Tu sais, on verra comment on fait. Je te l'avais dit, mon pote. Je te l'avais dit. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Non, qu'est-ce que tu m'avais dit, quoi? Je t'avais bien dit que j'arriverais à rester, pas vrai? Il a vraiment une grande bouche, ce type. Me retiens pas. Quand je suis énervé, me retiens pas, j'espère. Me dis pas que tu recommences, Carlina. Tu veux me faire croire que tu es malade pour que je nettoie encore tout? Mais je fais pas semblant, Carlotta, je me sens alors, mal. Alors, mademoiselle, comment ça se passe par ici? Bien, madame, merci. Le sol a été bien nettoyé comme vous l'aviez demandé. Ah bien oui, je vois ça. Et la petite, qu'est-ce qu'elle a? Mais allez, va aider la pauvre Carlina. Oui, madame. Mon Dieu, je dois être partout. Qu'est-ce que tu veux? Mon problème avec toi, je vais le régler ici et maintenant. Non, non, non! Non, laisse-moi! Ferme ta bouche si tu veux pas prendre de coups. Laisse-moi, s'il te plaît! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques, Farid? Oh mon Dieu! Plus vite, plus vite! Allez, messieurs! Un instant, s'il vous plaît. Va ici. Nous avons avec nous le vainqueur de la grande course à obstacles pour le titre mondial, monsieur Eduardo Dias Roras. Il est le prochain challenger pour la grande couronne de la boxe. En personne, messieurs, il est là en chair et en os. Eduardo Dias Roras. Écoutez, si vous voulez me... Si vous pouvez me prendre en photo aussi. Voilà, je suis le représentant, hein. Attendez juste une minute. Allez, voilà, c'est bien. Carly, tiens. Bois ce petit thé et tu te sentiras bien. Merci, Carlotta. Je me sens déjà mieux. Mais je veux rentrer chez moi. Non. On peut pas te laisser. Écoute, Carly, si tu veux rentrer chez toi, alors je te ramène. Oui, ça me paraît être une bonne idée. Leandro va te ramener. Ah oui, oui. Moi, je pense aussi, hein. On y va. Je vais t'aider à te lever. Allez, Carlina, on y va. Viens. Si tu veux t'appuyer contre merci, moi... Merci, ça va. Je peux marcher toute seule. Surtout, pense merci à te reposer. Doucement, pas trop vite. Sinon, tu vas avoir la tête qui tourne, Carlina. Allez, doucement. Voilà, comme ça. Et je vais vous dire une chose. Écoutez, on ne peut pas parler de coup de chance. J'ai gagné grâce à la résistance, mais j'aurais aimé pouvoir me battre avec ce gars là-haut, sur le ring, pour montrer qui est le meilleur. Parce que vous avez vu mon travail. Et le type m'a mis KO l'autre fois, mais pendant la revanche, je lui aurais fracassé la tête et il aurait embrassé le sol en un clin d'œil, ok? Ah ouais, fracassé, bah viens là. Antonio. Je vais te la fracasser, tu vas voir. Je vais te la fracasser et tu vas te ridiculiser devant la presse. Tu vas être mort de honte. Vas-y, fracasse-moi la tête, je t'attends. Antonio, non, mais sérieux. Ah, de l'eau, allez les chercher. Monsieur, de l'eau. Monsieur, une chaise, s'il Antonio, vous plaît. Antonio, mon pote, rends-moi une service. Une chaise. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah. Merci de m'avoir sauvé de Farid. Non. Merci à toi de m'avoir montré quel genre de monstre il est en réalité. Et ça me désole que toi et moi on se soit disputés à cause des mensonges de Farid. Ah, mais non, t'inquiète pas. Ce qui importe, c'est qu'il se soit rien passé de mal. C'est vrai. Et puis, j'ai été si bête que j'ai pensé à démissionner de la radio pour aller vivre avec lui. Mais bon... Heureusement que je l'ai pas fait, non? Oui, heureusement que non. Et c'est pour ça qu'on va trinquer, oui? Monsieur? Écoute, je trinque avec toi à une condition. Laquelle? On redevient amis comme on l'était avant, si tu veux bien. Bien sûr que oui, Célina. Bien sûr que je veux bien. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez nous amener deux verres de vin rouge parce qu'on va célébrer. Tu te sens un peu mieux, Carly? J'ai un peu envie de vomir, mais je vais me sentir mieux. Ne t'inquiète pas, je vais venir t'aider. Merci. À
Attends, j'ai déjà viens, vu cette Carly, voiture. Viens, viens, on est juste devant chez toi. Oh, merci. Allez, tout va bien, Carlina, je suis là pour te protéger. C'est pas vrai, je rêve. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Carlina? Allez, tout va bien, viens. Oui. Allez, doucement, ma Carly. Tiens-toi, moi, je te ramène chez toi. Hé, hey, pourquoi tu touches à ma femme? Léandro me ramène juste calme, à la maison parce que je me sens mal. Oh, des autres, bordel! Antonio, mais t'es devenu fou! C'est toi qui es folle à te laisser tripoter par le fils de ta patronne! Oh, mais ça va pas se passer comme ça, je vais porter plainte, tu vas voir! Porte plainte et je te fracasse, sérieux! Viens pas me chercher! Hé, Carlina, ça va? Carlina, viens! Carly, tu vas bien? Doucement. Est-ce que quand vous aurez fini de vous battre, quelqu'un pourra m'emmener à l'hôpital? Oh, mince, excuse-moi, mon pote, je croyais qu'il se passait quelque chose entre vous. Je t'amène à l'hôpital tout de suite. Non, je vais pas t'excuser. Laisse-moi te dire une chose, je viens à l'hôpital seulement parce que j'estime Carly, mais alors toi, crois-moi que je vais bien porter plein de bordel. Oh, c'est bon, tais-toi. Arrête de parler de ça et maintenant on va à l'hôpital, lève-toi. Et un taxi, où est-ce qu'il y a un taxi? Où est-ce qu'on peut prendre un taxi, mec? Il y a un taxi juste là, tu vois bien. Hé, hey, taxi, venez, vite. Et alors, qui va se battre pour le titre mondial? Eh bien, la réponse est très facile. Cette décision, comme toutes les autres dans ce gymnase, est prise par Monsieur Mercado. Alors, je vais... Écoutez, messieurs, nous avons réfléchi un bon moment, aussi bien avec les entraîneurs que le personnel technique. Et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Nous avons décidé que la personne indiquée pour prétendre au titre mondial s'appelle Antonio Cervantes, le Kid Pembele. C'est pas vrai, il a choisi le Kid Pembele. Je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Ah, c'est fini maintenant, j'ai plus de travail. Quand Leandro va dire à sa mère ce que tu lui as fait, ils vont me chasser de la maison. Non, Carlina, je t'assure, je m'occupe de ça. Je vais aller demander pardon au type, tranquillement, tu vois, et on laisse ça derrière nous. Ah, Antonio, ça va rien résoudre du tout. Laisse-moi, je vais me charger de leur parler, ok? Dis plutôt, pourquoi t'es parti si énervé du gymnase? Merde, Carlina, j'ai pété les plombs avec ton ami Dias Rojas. Sur le ring? Non, à la conférence de presse. Il a commencé à faire le malin et à trop parler, et je suis devenu fou et je lui ai mis un coup. Voilà, maintenant j'ai plus de gymnase et pas de titre mondial. Viens là, Antonio. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois la situation dans laquelle on se trouve? Le petit est en route et toi et moi, on n'a plus de travail. Non, Carlina, écoute. Écoute, toi, t'as encore ton travail, ok? Tu vas pas être virée. Je vais régler cette histoire et je vais parler avec Mercado et Tabaquito pour leur demander pardon. On va voir comment ça se passe avec eux. Tu crois qu'ils vont te pardonner, Tonio? J'en sais rien, mais il faut au moins que j'essaye de me faire pardonner. À bientôt! Écoute, Bellarmino, tu vas me faire le plaisir d'aller chercher ce satané imbécile, peu importe où il est. Comment est-ce qu'il peut faire un truc pareil pendant la conférence de presse? Va lui raconter n'importe quoi. Tu lui dis que t'es inquiet pour lui, hein? Que s'il est vraiment désolé, et que s'il vient s'excuser devant toute la presse, il aura la possibilité de revenir se battre, c'est compris? Comment il a pu? Bordel! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, on résout pas tout dans sa vie à base de coups de poing, bordel! C'est ce qu'Antonio a fait toute sa vie. Il connaît son bien. Il doit le regretter et doit penser au pire. Eh ben, j'espère bien. C'est le minimum pour qu'il puisse revenir ici. Et écoute, sérieux, quoi, Tabaco, s'il te plaît, tu peux pas perdre le contrôle de cet idiot, tu dois pouvoir le contrôler! Comment tu peux me parler de perdre le contrôle de Cervantes, hein? Tu savais que j'étais pas d'accord avec cette mascarade que vous avez organisée, parce que ce qu'on fait ici, c'est de la boxe, ok? De la boxe! Arrête un peu avec ça! Arrête un peu, Tabaco! Tu vas résoudre tout ça, t'as compris? Sinon, vous deux, vous avez plus de travail. T'as beau être mon ami, mais souviens-toi où est ta place. Alors tu me résous tout ça et tu reprends le contrôle de Cervantes. Tu résous tout ça avant la publication des journaux, c'est aussi simple que ça, bordel! Tout est sur ma faute, vraiment? Non, tu restes ici, t'y vas pas. Sérieusement, Antonio. Écoute, il faut que j'aille les voir parce que sinon je vais perdre mon travail. Non, n'y va pas, écoute. Dès que tu seras là-bas, tu vas passer un sale quart d'heure à cause de moi et c'est pas bon pour le bébé. Ce qui n'est pas bon pour le bébé, c'est que je reste sans travail, Antonio. Ah, mon amour. Écoute, le docteur m'a dit que ce que j'avais, c'était tout à fait normal. Les femmes enceintes se sentent comme ça dès le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et j'en suis à peine à la moitié. Et surtout, n'oublie pas que si tu n'avais pas été là pour donner des coups de poing à tout le monde, on n'en serait pas arrivé là. Hein? Je sais.
Qui est-ce? Ah, la police est venue pour moi, ça y est, c'est attends, terminé. Attends, j'y vais. Don Manuel, comment salut, ça va? Salut, Carmanuel, oh, c'est comment ça va? Fiston, félicitations, mon garçon. Mais pourquoi? Regarde. Qu'est-ce qui te prend? Tu vas te battre pour le titre mondial et tu préviens même pas ton vieux, hein? Si toi aussi tu te mets à croire à la presse, je peux plus rien pour toi. Eh, mais sérieusement, regarde ce qui est écrit! Regarde! De quoi? Regarde, Carly, vas-y, lis-le! Cervantes se bat pour le titre, a annoncé son représentant Ezequiel Mercado. Mon amour, ils disent que c'est le titre mondial! Non, c'est pas possible, ils m'ont viré du gymnase, j'en suis sûr! Mon trop amour, bien. Félicitations! Il faut qu'on fête ça! Ta destinée, c'est de devenir champion du monde et tu peux croire le vieux Manuel Cervantes de San Basilio de Palenque. Viens là! Félicitations, fiston! Il faut fêter ça, mon amour! Ah, mes amis, on va être champion! Date de quand, journal? C'est celui d'aujourd'hui, c'est le mondial! Ça me paraît incroyable qu'il fasse monter Pambélé sur un ring. Après le scandale qu'il a fait devant toute la presse, hein, c'est vraiment terrible ce qu'il a fait, Maximiliano. Et puis surtout, Mercado récompense Pambélé avec le combat pour le titre mondial alors qu'il a donné un coup à un de ses équipiers. C'est pas ça l'esprit du sport? C'est incroyable, écoute. Je pense aller déposer une plainte à la fédération de boxe. Et je vais écrire une lettre pour que Pambélé passe au comité disciplinaire. Attends, ce que tu veux, c'est que la fédération décide si Pambélé peut se battre ou pas? C'est ça, oui. Il se bat pour le titre simplement parce que Mercado l'a dit. Surtout après son comportement à la conférence de presse. Écoute, je suis d'accord pour te soutenir. À partir du moment où tu n'évoques pas le nom de la station, d'accord? C'est important. N'en fais pas, Maximiliano. Tu peux compter sur moi. Cristobal, mais les gens sont pas bêtes. Écoute, les clients font appel à la concurrence pour se plaindre parce qu'ils pensent qu'on a fait un coup monté. Mais Alvaro, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Dias Roras a défié Pambélé à une série d'épreuves qui n'ont rien à voir avec la boxe. Et qu'a fait Pambélé? Il a accepté le défi, pas vrai? Cristobal, tu as tout à fait raison. On a tous vu ça, là-bas. Je vais vous dire une chose. À quoi servait l'épreuve? Elle servait à savoir lequel des deux était le meilleur boxeur. Mais c'est pas comme ça qu'on saura. On le saura sur le ring, en faisant de la boxe. Voilà! Cette prémisse me plaît bien. Fais un suivi de tout ça. Je veux savoir ce qu'en pense Antonio Cervantes, ce qu'en pense Mercado et surtout que pense Alonso Fraser de son nouvel adversaire. Bien sûr, Don Luis. Merci. Bien, mets-toi au travail, Cristobal. Au revoir, Alvaro. Au revoir. Voilà, Tabaco, je voulais en profiter pour te présenter mes excuses pour le bazar que j'ai causé. T'as pas à t'inquiéter pour tout ça, Antonio. C'est du passé. Et puis cette mascarade pour savoir qui allait se battre pour le titre est terminée. Alors maintenant, ce que je veux, c'est que tu te concentres et que tu te sentes digne de mériter ce titre, ok? Ouais, Manuel m'a dit de le laisser parler avec Mercado pour voir où ils en sont avec leurs affaires. Ouais, c'est vrai que c'est important aussi. Il faut que tu sois bien concentré. Que tu penses à ce que tu veux et à ce qu'on va faire et qu'ils se débrouillent avec leurs trucs. Ouais, Manuel va se charger de négocier avec Mercado. Je sais que depuis le bazar que j'ai causé à la conférence de presse, on n'a pas une très bonne relation avec lui. Écoute, Antonio, j'espère que les choses vont être différentes. Tu peux pas t'amuser à donner des coups à tout le monde et encore moins devant la presse. Ouais, je sais. Si tu prétends pouvoir gagner le titre, tu dois avoir un cœur et une âme de champion. Est-ce que tu m'as compris? Oui, c'est entendu, mais écoute, ce que je veux te dire, c'est que je vais essayer de tout faire. Stop, on parle plus de cette histoire. Ce qu'il me faut à présent, c'est que tu te concentres à croire que tu peux devenir un champion. Tu peux faire ça? Il faut qu'on parle affaires. Comment ça? Quelles affaires, Manuel? Hein? C'est bon, ton fils a arrêté d'être insolent? Tu sais qu'il est venu ici pour donner des coups dans tous les sens à tout le monde, tu le savais, ça? Et c'est pas pour ça qu'il est ici, hein? Hein? Ce matin, Tabaquito est venu le chercher. J'imagine qu'ils ont dû se réconcilier, non? Hein? Écoute, Mercado, maintenant que tu reconnais que mon fils est le meilleur choix pour ce titre mondial, je pense qu'on peut signer le contrat, non? C'est pas vrai. Il est déjà prêt. Écoute, comme ça, on peut s'assurer qu'Antonio est correctement payé pour se battre, non? Tu comprends? Je vais te dire quelque chose. D'homme à homme. De négociateur à négociateur, mais je vais être direct, Manuel, parce que je crois qu'il y a quelque chose que tu comprends pas bien. Cette histoire de vouloir signer un contrat avec moi, ça ne me va pas. Ça ne me va pas, je suis un type qui fonctionne à la parole. Tu comprends? Mais attends. Et disons hypothétiquement que tu veuilles aller avec un autre manager, tu voudras sécuriser tout ça, tu voudras sécuriser tout ça, mais moi je tiens parole, mon pote. Comment dois-je te le dire? Tiens, dis-moi comment tu vas économiquement. Comment ça va? Parce que j'ai entendu dire que t'étais ruiné et que t'avais accumulé plein de dettes par-ci par-là, c'est vrai ou pas? Bah, je dirais pas ruiné, non. Mais bon, c'est vrai que je compte mon argent depuis que je suis gamin. Eh bien justement, dis-moi, on est quoi tous les deux, hein? Nous deux, on est amis, on tient parole. Et on s'entraide. Tu sais ce qui est une bêtise? D'être prêt à tout pour une affaire, tu sais ce qui est une bêtise? Faire des courses en ayant faim, tu comprends? Alors mon pote, il y a quelque chose à laquelle tu dois bien penser et c'est avec qui tu parles, hein?
Je vais te donner un coup de main pour que tu te sortes de toutes ces dettes, d'accord? Alors voilà ce que tu vas faire. Prends les petits billets ici. Sors de tes dettes, prends-les avant que je les récupère. Tu paies ta dette. Sors de cette histoire. Je suis en train de t'aider. Tu vois, on n'a rien besoin de signer. Je vais te demander une faveur. Viens là, écoute-moi bien. Il faut que personne du gymnase apprenne parce que sinon, ils vont venir me demander de l'argent. Je t'aide. C'est de vive voix. Tu comprends, hein? D'accord ou pas d'accord? On est d'accord? D'accord. Ah, très bien. C'est un contrat oral. Maintenant, tu comprends? Eh bien, il semblerait que Cervantes soit meilleur boxeur, mais dans la rue. Bien sûr, il frappe fort, je ne le nie pas, mais en dehors du ring. Tu sais quoi? Il est important que l'on établisse un précédent et que l'on condamne la violence en dehors du ring. La bagarre, c'est dehors. Le sport, c'est sur le ring. Il faut que ce jeune homme accepte sa défaite. Bon, écoute. S'il avait établi cette affaire devant la Fédération, peut-être bien qu'on aurait pu l'aider. Mais ce qu'il a fait de devenir fou et violent envers un de ses partenaires... Non, ça c'est inacceptable et ça la Fédération ne peut pas le soutenir. On est un organisme sérieux et respectable. Eh bien dans ce cas, qu'est-ce que tu suggères? Les règles sont faites pour être respectées. On va former un conseil disciplinaire qui va étudier l'affaire. Et si c'est nécessaire, on devra interdire Cervantes de se battre pour le titre mondial. Tu as tout à fait raison. Attends deux petites secondes, je crois qu'on va être en direct. Ok. Venezuela chérie, bonjour à tous. Vous écoutez Amado Pinzon. Ah, merci Carly. Je vous en prie, Don Manuel. Eh, hey, au fait, Manuel, comment ça s'est passé pour les papiers avec Mercado? Ça y est? On a signé un contrat? Non, Antonio. En y réfléchissant, c'est mieux comme ça, Antonio. Écoutez, j'ai parlé avec Mercado, et il m'a sorti un contrat étrange et il voulait qu'on signe tout à toute vitesse. Et tu vois, tout ça, ça m'a vraiment semblé louche. Pourquoi est-ce que c'est louche? On voulait pas un contrat? Si, si, mais c'est juste que toute cette histoire de combat, et maintenant il va t'envoyer au championnat alors que t'as perdu le marathon. Moi, ce que je pense, c'est que Mercado voulait mettre le grappin sur toi et tes talents, Antonio, et ça, ça nous convient pas. Mais sois sérieux un peu, Manuel, bordel! T'étais derrière moi à me dire de signer un contrat, tu me l'as dit! Mais... Et maintenant qu'on peut le faire, tu me dis non? Mais c'est parce qu'il convient pas, Antonio. Écoute, c'est mieux de continuer comme ça. Si plus tard, on arrive à trouver un meilleur gymnase, eh ben on ira là-bas, et voilà, le problème sera résolu. Hein? Manuel... Explique-moi, s'il te plaît, ce qu'on va faire alors maintenant. Parce que tu m'as dit que si Mercado ne signait pas de contrat, on arrêterait avec lui. Bon, eh ben écoute, si c'est pour l'argent, y a pas de problème, je t'en prête. Écoute, si vous avez besoin d'argent pour la maison ou à envoyer à Carthagène, faut pas hésiter à me le dire, ce sera un plaisir pour moi de vous en prêter. Arrête de dire n'importe quoi, Manuel, merde! Mon amour, viens là, c'est pris, on va manger. Frappe! Tourne! Frappe! Contrôle, Antonio, contrôle! Contrôle, Antonio, frappe! Tourne! Ton corps doit pas être dominé, Antonio, contrôle! Merde, Tabaco, c'est quoi cette fois? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est moi celui qui dit quand commence l'entraînement et quand il se termine! Et là, il est terminé, ok? Merde, Tabaco, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est encore une de tes astuces pour faire de moi un champion, c'est ça? On est là-dessus depuis des semaines, bordel! Ton attitude, là... Elle t'est d'aucune utilité. Ça t'a pas aidé d'obtenir cette opportunité de cette façon-là. Tabaco, écoute. J'ai passé je ne sais combien de temps avec toi à faire tout ce que tu me demandes, hein. Des exercices que je comprends même pas, mon pote, que je comprends même pas. Tu me vires tout le temps, tu me frappes et t'arrêtes pas de m'insulter, mon pote. Pour une fois que je gagne un truc dans ma vie, tu veux tout gâcher, tu sais quoi? J'ai plus l'âme d'un champion que toi et toute ta famille, t'as compris? C'est bon, j'arrête. Attends. Tu as déjà les points. Tu as la volonté. Mais tu sais ce qui te manque? Le cœur d'un champion. C'est pas vrai. Et où ça se trouve? Écoute, il faut que tu le mérites. Toi seul, tu peux pas être champion. Il te faut une équipe. Une équipe gagne quand le champion gagne. Et quand le champion perd, devine quoi? Eh bien, l'équipe perd également. Tu es bien physiquement. Alors rends-moi service. Tu rentres chez toi. Et tu penses à ce que je viens de te dire, ok? Mais non, regardez qui est revenu. Bonjour Carlotta, tout va bien ici? Bien. À part tous les violents coups que ton mari a donnés à Alejandro, il n'y a rien de nouveau ici.
Arrête de me torturer avec ça, ok? Je viens pour m'excuser. Et pourquoi? Après autant de jours d'absence, Madame Leonora, elle veut plus te voir. Eh bien, j'étais chez moi à me reposer sur ordre du docteur. Antonio voulait pas me laisser venir. Mais je suis là, Carlotta, alors laisse-moi entrer pour parler à Madame Leonora. Carline, écoute, je viens de te dire que Madame Leonora voulait pas te voir. Je ne te crois pas, Carlotta. Laisse-moi entrer pour que Madame Leonora me le dise en face. Tu vas partir pendant combien de temps, mon amour? Je sais pas. D'abord, je dois aller au Panama. Et ensuite, je dois aller à New York pour pouvoir suivre Alonso. Bon, et c'est le journal qui va payer pour tout ça, n'est-ce pas? Eh bien oui, je crois, parce que... ils savent que c'est un combat historique. Et c'est peut-être la dernière opportunité d'Antonio de se battre pour le titre mondial. Et pourquoi il t'envoie pas l'interviewer directement lui? Comme ça, t'as l'information importante. Parce que le combat, c'est entre les deux. Alonso Fraser et Antonio Cervantes, les deux sont importants pour les informations. Et je veux voir la tête qu'Alonso va faire quand on va lui dire qu'Antonio va donner tout ce qu'il a pour ce titre. Madame Leonora, je suis là pour vous dire que... je suis vraiment navrée de ce qui s'est passé avec Leandro. Et je vous jure qu'Antonio ne savait pas qu'il voulait simplement m'aider. Bon, mais dans tous les cas... la violence ne résout pas tout, Carlina. Et maintenant, mon fils a une dent contre ton mari. Et bien entendu, j'avais aucune idée qu'il s'appelait Kit Pambélé, le très célèbre boxeur Kit Pambélé. J'imagine que c'est un homme qui a un problème pour pouvoir contrôler ses émotions. J'ai pas raison. Madame Leonora, si vous dites ça par rapport à ce que vous avez lu dans les journaux... Non, tu n'as rien à m'expliquer, Carlina. Ton mari est boxeur. Et je suppose que c'est comme ça qu'il résout tout dans sa vie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Écoutez, madame, si vous voulez me licencier à cause de ça, je comprends, je voulais simplement demander des nouvelles de Leandro et m'excuser. Attends, je n'ai jamais dit que j'allais te licencier, ma petite. Tu es une bonne travailleuse. Et ce qui est arrivé à mon fils, eh bien, il l'a définitivement mérité, après avoir été intrépide avec toi. Non, si, non, madame, c'est pas vrai. Il ne le défend pas, car je le connais très bien. Et c'est pour ça que je lui ai dit de ne pas porter plainte contre ton mari et que tout ça, ça lui sert de leçon, car il ne faut pas aller embêter la femme d'un autre. J'espère qu'il a bien compris le message. Bon, et en ce qui te concerne, si tu veux, tu peux récupérer ton travail, mais je veux que tu restes à l'écart de mon fils. Je ne veux plus de problème, Carlina. Oui, d'accord, madame, mais d'abord, il faut que je demande à Antonio. Mais si jamais je reviens, je vous jure, sur ma vie, que plus jamais je ne vous causerai de problème. Oui, je l'espère. Merci. Tout comme moi, ce gamin est prêt depuis la naissance. Ouais, c'est une vraie machine de combat. Et en plus, c'est un bon garçon. Hein? Ouais, mon gars. Ouais, Ray dit que le champion est une véritable machine de guerre. Et qu'il est encore plus frais qu'un yaourt. Alonso, bon, on met les produits laitiers de côté. Comment vois-tu ce possible combat? Alors, Cristobal, écoute. D'abord, ce qu'il faut, c'est qu'on sache qui est le rival. En d'autres termes, qui va être celui qui va tacher le sol de son sang? Parce que cette bataille est un cadeau pour mon pays, et ça se passera ici. Alonso, avant les questions de mes collègues, tu penses que le titre est en danger? On sait jamais ce qui peut arriver. Il n'est pas encore né. Le boxeur qui aura le courage de m'arracher mon titre de champion du monde Welter Junior. Alors les Panaméens peuvent rester tranquilles car ils ont un boxeur pour champion, un moment. Champion, s'il te plaît. C'est s'il bien, plaît, champion. C'est ça. Champion, s'il te plaît. Juste une question, s'il vous plaît. Que... champion. Par le présent document, nous vous informons que suite aux récents événements, la Fédération vénézuélienne de boxe a décidé d'étudier entièrement le cas d'Antonio Cervantes, aussi connu sous le nom de Kit Pambélé. Sérieux? Un combat de rue n'est pas toléré par la Fédération. C'est pas la manière de résoudre un problème. Eduardo Diaz Rojas est l'adversaire officiel pour le titre. Et un combat de rue ne changera pas cette situation. Mais pourquoi tu me donnes ça si tu nous le dis? Non mais allez, tiens, Marco. Écoute, c'est Diaz Rojas lui-même qui a ouvert sa bouche devant tous les journalistes en disant qu'il voulait pas d'une épreuve de résistance mais quelque chose de plus proche de la boxe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein, Marco? Il a demandé ça, donc il l'a eu, c'est tout, tu comprends? Non mais attends, tu nous connais, voyons, n'est-ce pas? Oui, on est des gens sérieux, nous, non? On est des ennemis de la violence, la boxe, c'est un sport professionnel. Alors j'ai pris cette décision après avoir vu les conséquences de ce qui s'est passé. La décision? Une décision prise sous la pression de la presse, Mercado. Non mais...
De quoi tu parles? Excuse-moi, mais c'est pas le meilleur moment pour venir parler en tant qu'entrepreneur de ce noble sport. Comment ça? De quoi tu parles? Doucement, attendez une doucement. Minute, monsieur, attendez. Hein? Je sais que j'ai mis le bazar, c'est vrai, ouais. J'ai été trop loin et c'était pas la chose à faire. Et en tant qu'humain, je suis disposé à parler avec Dias Rojas et à présenter des excuses publiques pour ce que j'ai fait. Eh ben tu vois, c'est tranquille tout ça. Ça peut t'aider. Mais bon, au bout du compte, Dias Rojas est l'adversaire. Non. Et pour que tu puisses te battre, il devrait renoncer à cette opportunité. Non mais merde, comment c'est possible? Il le fera jamais. Attendez, alors c'est à Dias Rojas de décider si Antonio se bat ou non? Messieurs, c'est pas une de mes inventions. Celui qui nous a amenés ici avec ses idées loufoques, c'est monsieur Ezequiel Mercado. Ah, évidemment, c'est moi le méchant. Pour résumer, Dias Rojas est l'adversaire pour le titre. Et ce combat à main ne lui va pas changer notre décision. Mercado, si tu veux que Cervantes se batte, il faut que Dias Rojas renonce d'abord. Non mais comment on peut... Et soyez heureux qu'on n'ait pas pris de décision plus sérieuse. Non mais merde, je croyais qu'on était amis. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Aurora, viens dans mon bureau une minute. Si tu vas me virer, dis-le-moi qu'on puisse en finir. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu veux te venger parce que je sors plus avec toi, c'est ça? Tu vas me mettre dehors maintenant, après tout ce que j'ai dû supporter pour défendre mon poste? C'est bon, t'as fini? Non. Parce que ça me semble être le comble que tu me jettes comme une vieille chaussette, sans même me prévenir avant pour que je trouve un autre emploi. Écoute, Aurora, je n'ai rien à te dire de tout ça parce que je ne veux pas te virer. Assieds-toi, s'il te plaît. Ce que je veux, c'est qu'on fasse la paix, toi et moi. Je veux plus qu'on se dispute. Et comment tu veux que ce soit autrement, puisque tu m'as menti? Et je te demande pardon pour ça. Écoute, je sais que j'ai commis des erreurs. Mais je sais aussi que toi et moi, on a passé de très bons moments ensemble. Et je veux pas que ça se perde. Et moi, je veux pas élever les enfants d'une autre. Écoute, Aurora, mes enfants ont déjà une mère. Et malgré mon histoire et mes erreurs, je pense être un homme plutôt intéressant, non? Prétentieux. Non, pas prétentieux. Sûr de moi. Et également sûr que je suis disposé à tout donner. À condition, bien sûr, que tu me donnes une seconde chance pour pouvoir te séduire. Aujourd'hui, je vais aller à la Fédération avec Dias Rojas. On va voir s'il accepte les conditions, comme le gamin est classé. Ce qu'on va lui proposer, c'est qu'on lui donne là. Qu'on lui donne sa revanche contre l'autre abruti de Cervantes. Le prends pas mal, hein, quand je dis ça, tu me connais maintenant. On va voir s'il accepte. D'accord, mais on peut pas annoncer un adversaire avec un combat qui n'est pas certain. Et pour l'instant, aucun n'a gagné. Et pourquoi pas, hein? Hein? On met pas une selle à un cheval avant de l'avoir. Eh bien, Tabaco, tu te charges de venir avec le gamin. Et celui qui va se battre pour le titre mondial, on s'en fiche. T'entraînes les deux, hein? T'en dis quoi? Bon, je m'en vais parce que oui, là, parce c'est... que... Non, enfin, t'inquiète, après, je te dis comment s'est passée la réunion, parce que là, j'ai un truc à faire. Allez, Tabaco. Une seconde, je crois que je dois être présent à cette réunion, vous savez, pour apporter un autre point de vue, hein? Mais non, Manuel Tabaco. Faudrait que tu lui expliques que je peux pas y aller avec le père de l'adversaire, ça se fait pas, dis-lui, toi. Non. Mais vraiment, écoute, mon pote, je veux m'assurer qu'on fasse ce qu'il faut faire, ce qui est correct. On est partenaires, oui ou non? Hein? Tu vois, après sa chute, ben t'aurais dû le mettre directement KO. Mais... T'avais le temps, gamin. J'ai essayé, mais ce type a sorti une force de je ne sais où. Tu sais, il faut que je te dise, tu frappes du mauvais côté. En fait, si tu avais bien positionné tes coups, tu vois, au bon endroit, eh ben, tu aurais pu gagner le combat avant la fin de ce round. Tu sais, tu as le talent pour détruire n'importe quel boxeur. Tu vois, si c'est Cervantes, il faut que tu gardes le contrôle. Comme pour le combat, tu vois, avec Nicolas. Eh, ce sera peut-être difficile pendant les 5 premiers rounds, ça c'est bien certain, mais... il faut pas que tu te laisses provoquer, fiston. Écoute, si tu suis bien ce conseil, on conservera le titre. Il faut surtout pas que tu oublies qu'à partir de maintenant, le combat, il se passe dans ta tête, pas sur le ring. Dans ta tête. T'as compris? Merde, Chispeao, c'est bon, arrête d'être hyperactif là, bordel. Mon pote, je me concentre.
Bon, Tabaco, c'est quoi ça encore? Hein? On est là avec des numéros, des petites couleurs, il ne manque plus que des petites jupes roses et on peut nous appeler des princesses, bordel. J'ai besoin que tu travailles ta mémoire, ok? Quoi, avec des numéros? Avec une stratégie, Antonio, il faut que tu retiennes. Ok. Que je retienne quoi? La boxe, c'est pas seulement donner des coups dans les côtes de ton adversaire, tu sais. Il faut aussi avoir une stratégie. Un rythme. J'ai compris. Bon, on commence alors. Allez, champion. Le 1. Plus vite, Antonio, le 1. Rouge. Rouge, allez, allez, rouge. Le 4. Bien joué, champion, t'es trop fort. Calme-toi, bordel. Tu vas finir par te prendre un coup, toi. Rouge. Attends, je réfléchis rouge. Deux secondes. Tiens, le voilà, le rouge. On va sur le ring, maintenant. On va travailler l'association. La mémoire. Eh, hey, Tabaco, j'ai même pas fini l'école primaire. Comment tu veux que je fasse ça, moi? Mais t'inquiète pas, Antonio. L'association et la mémoire, c'est très facile. Tu vas voir. Si je te dis 1, tu fais quoi? Crochet du gauche et indirect. 1. Crochet du gauche et indirect. Allez, 1. C'est très bien, c'est très bien. Quand je te dis 2, tu fais quoi? 2 jabs. C'est compris? Allez. 1, 2, 2, 1, 2, 2, c'est bien, mets-toi en action, c'est ça, très bien, 2, 1, 1, on recommence, allez, va chercher au type là-bas, le ressort s'il te plaît, ouais. Ressort. 1, c'est bien,